Les cours du brut ont ouvert à la baisse ce matin à New York, suite à la hausse du dollar et dans un contexte toujours marqué par des craintes pour la vigueur de la demande mondiale. Cette nouvelle baisse entraîne les cours du brut à leur plus bas niveau depuis novembre dernier. La situation en Grèce inquiète toujours les investisseurs. Ceux-ci se montrent prudents et préfèrent ne pas spéculer sur des actifs jugés à risque comme les matières premières. Le dollar, par contre, se négocie à des plus hauts en 4 mois face à l'euro, ce qui rend moins attractifs les achats de brut libellés en monnaie américaine pour les opérateurs munis de devises étrangères. Par ailleurs, selon des chiffres publiés par le département américain de l'énergie, les stocks de brut ont continué leur progression la semaine dernière. Les spécialistes avaient annoncé une hausse de 1,4 million de barils. Elle est finalement plus importante. Les stocks ont augmenté de 2,1 million de barils pour s'établir à 381,6 millions. À mi-séance, le baril de brut s'est changé à 92,98 $ sur le NYMEX.